Ma mère était une femme forte. C'est elle qui m'a enseigné les rudiments du magie. Vous vous rendez compte? Quel plaisir de vous revoir. Ah, vous voilà. Asseyez-vous. Je veux bien vous passer de la crème sur le dos toute la journée, mais l'argent, c'est l'argent, n'est-ce pas? Où allez-vous comme ça? Il y a du travail. Vous avez de bonnes nouvelles, j'espère. Bien. J'imagine que vous voulez votre argent maintenant. Repartir d'ici sans prendre de mission? C'est comme passer devant une bourse bien remplie sans se servir. Thorsten, il vous faut quelque chose ? Mère m'a informé qu'une guilde rivale était en train de se constituer à Vendôme. De plus, ils font du tort aux voleurs de bonne foi en assassinant leurs clients. Allez sur place et voyez ce que vous pouvez faire. Bonne nouvelle. J'ai trouvé le marteau d'Wemer que vous cherchiez. C'est vrai? Merci. Bien le bonjour. Je possède la ferme des Baies de Givre, à l'extérieur de la ville. C'est un travail honnête, mais un peu ennuyeux. Ça fait des générations que les cruelles mères sont une famille de marins. En vérité, je regrette de ne pas avoir emboîté le pas de mes ancêtres. Et pourtant, je ne me lasse jamais de croiser le fer. Ma fille, Jotli, elle a été assassinée il y a quelques mois. Elle baignait dans son sang à même le sol. Je suppose qu'on voulait lui voler ses objets de valeur. Elle portait toujours bien trop de bijoux en public. Quand je lui ai dit que ça causerait sa perte, je n'aurais jamais imaginé que... Les explications ne sont pas nécessaires. Je connais les méthodes de votre guilde. Ça m'a pris des semaines. Mais j'ai finalement réussi à retrouver le meurtrier. Une saleté d'Altmer. Vous vous rendez compte? Disons que l'adage « œil pour œil, dent pour dent » n'est pas un vain dicton pour moi. Il se disait voleur d'une guilde qui venait de se former dans le coin. Il m'a donné de précieuses informations avant que... Vous savez quoi? Eh bien, comme je l'ai dit à Delvin, je pense qu'on peut s'entraider. Vous récupérez ce que je veux et, par la même occasion, vous supprimez une guilde rivale. Oui, un des objets qu'on lui a volé, un médaillon en argent, est un bijou de famille des cruelles mères. Je veux le récupérer. Tout ce que j'ai, c'est un nom.
Niranier, qui a une maison ici, à Vendôme. C'est par là que vous devriez commencer. J'aurais dû partir à l'aventure comme vous, au lieu d'être fermier. Le travail à la ferme est difficile. J'aime me détendre quand je peux, mais il faut toujours que je travaille. Je pensais que le quartier gris serait un havre de paix pour ceux de ma race. J'ai eu tort. Oui, je peux vous aider. Jatli, ce nom me dit quelque chose. Oh, bien sûr, c'est la pauvre fille qui a été assassinée. Elle était si jeune et jolie. Quelle tragédie. Comment osez-vous ? Vous m'accusez d'avoir pris part à un acte aussi atroce ? Je devrais vous faire arrêter. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Attendez un peu, discutons un peu de tout ça, entre gens raisonnables. Écoutez, je n'ai pas eu le choix. Ils sont fous, ils m'auraient tué. Une guilde de voleurs Altmer, ils se font appeler les Ombres de l'Automne. L'Inoué, leur chef, est le pire d'entre eux. Ils volent les objets de valeur des morts. Non, l'Inoué préfère dépouiller les morts. Il déterre les corps ou entre par effraction dans la nécropole. Il a même volé un médaillon sur le corps de cette pauvre petite assassinée. Ou de ce qu'il en restait. Je faisais du recel pour la guilde des voleurs en bord de ciel, il y a longtemps. Quand l'Inoué s'est installé ici, il m'a contacté. Et il m'a dit que si je refusais de faire leur recel, il me tuerait. Si je vous le dis, vous devez me promettre que vous ne me tuerez pas. Je pourrais être très utile à la guilde des voleurs. Je suis l'une des meilleures recelleuses de bord de ciel. Oh. L'Inoué se terre dans la grotte des collines murmurantes. Toute sa guilde s'y trouve avec lui. Soyez sur vos gardes. Quand vous en aurez fini avec lui, revenez me voir et je respecterai mon engagement. Je l'ignore. D'après la rumeur, elle a été assassinée... massacré par un fou. J'essaie de ne pas me mêler de ce genre d'affaires. Thorsten pense peut-être que l'Inoué ou moi sommes responsables de la mort de Jotli, mais je vous assure que c'est absolument faux. Désolée de m'être trompée. Revenez quand ce sera fini et nous parlerons de mon affaire. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais, je le jure.
Vous ne vous attendiez pas à ça, hein ? Bien sûr que non. Faut toujours qu'ils se défendent. J'avais bien entendu quelque chose. Qui va là ? J'avais bien entendu quelque chose. Travail d'équipe. Je vais écourter votre misérable vie. Vermis ! D'où venez-vous ?
sauveur. C'est fait. Il n'y a plus personne. Service. L'aventure, c'est toujours selon mes règles. Tiens, mais c'est vous qui avez tué les sorcières de Glenmoril. Que puis-je pour vous ? Vous avez utilisé mon meilleur marteau. Non. Il n'y a aucune gloire à faire la guerre. Hadès n'aura plus de soldats. Je possède la ferme des Baies de Givre. À l'extérieur de la ville. C'est un travail honnête, mais ça me peine de voir ce médaillon. Il me rappelle Jotli, mais je suis heureux qu'il reprenne sa place. Dites à Delvin que s'il veut toujours de mon soutien pour la guilde des voleurs de Vendôme, il lui est acquis. J'aurais dû partir à l'aventure comme vous, au lieu d'être fermier. Ce doit être le beau temps de bord de ciel dont tout le monde parle. J'ai plein de boulot à vous proposer. Vous cherchez du travail ? Thorsten était heureux que la mort de sa fille soit vengée et que l'héritage ait retrouvé sa place.
Au moment où je vous parle, il est en train de faire en sorte que la guilde puisse se réimplanter à Vendôme. J'aurais aimé que vous envoyiez un message à ces arrivistes d'ombre de l'automne, mais ils ne devraient plus se mêler de nos affaires à présent. Grâce à vous, nous avançons à pas de géant. Un nouveau marchand vient de s'installer à côté du chaudron. Votre talent est inégalable. Je n'ai jamais vu ça. Nous avons encore des progrès à faire, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons déjà beaucoup mieux que ces dernières années. Où allez-vous comme ça? Il y a du travail.